C'est vrai que ça ne m'était jamais venu jusque-là de présenter le livre et le CD que je propose. Donc, je me suis levé hier matin avec ça en tête que ce serait une bonne chose de faire et que je réalise aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai écrit ce livre, De la nourriture pranique à la plénitude du vide, en 2015. J'ai fini de l'écrire après 3 ans de maturation sur la base de l'expérience que j'ai réalisée, que je réalise progressivement. Et je dis bien que je réalise progressivement avec la nourriture pranique depuis début 2012, juillet 2012 de façon plus formalisée. En tout cas, fin 2011, début 2012, avec la découverte, comme la plupart d'entre vous, du film Lumière. Et de 3 pauses alimentaires en 2012, 13 jours en août, juillet, août 2013. Et donc, c'est forcément progressif parce qu'au-delà de manger, pas manger, c'est aussi et d'abord une aventure de la nourriture de la conscience. Se nourrir en conscience, se nourrir de la présence, du présent, avec soi-même et dans la relation au tout, à commencer par son entourage, son environnement. Et au travers de ces 4 corps, corps physique, mental, émotionnel et dynamique, spirituel éventuellement, bien sûr, qui est une affaire personnelle pour chacun d'entre nous, si tant est que nous soyons concernés par la thématique de la spiritualité. En tout cas, la nourriture pranique y amène forcément un minimum, puisque au-delà du mental et des schémas limitants liés à l'identification au corps ou au mental et aux émotions, amène à une conscience plus large et forcément à quelque chose de l'ordre du spirituel. Il y aura une vidéo spécifique sur la spiritualité, nous en reparlerons en ce moment-là. Donc, ce livre que j'ai écrit sur 3 ans de maturation, je l'ai donc rédigé en 3 ans, il est sorti en août-septembre 2015. J'ai voulu d'emblée positionner les choses au-delà de la nourriture pranique, et c'est pour ça que le titre l'évoque bien, de la nourriture pranique, point de départ, à la plénitude du vide, on pourrait dire point d'arrivée, départ arrivé. Je crois que c'est vraiment une erreur que de focaliser, et c'est ce que nous avons tous tendance à faire encore aujourd'hui, de focaliser et de s'arrêter, donc de se limiter au point forcément restrictif, limitatif de la nourriture pranique. Pour moi, c'est un point de départ possible, c'est un outil, c'est une méthode, c'est un support, mais qui ne doit pas être une finalité. Qui plus est que simplement dire j'arrête de manger, c'est une erreur fondamentale aussi, c'est une grossière erreur, puisqu'on ne peut pas ne pas se nourrir. Et on voit bien donc, rien que par là, que limiter cette approche de la nourriture pranique au fait de ne pas manger ou de ne plus manger est une erreur, puisqu'il y a bien d'autres choses qui nous attendent au-delà de l'aspect alimentaire. Et en l'occurrence, il y a cette plénitude, le fait de se sentir plein, plénitude, avec un estomac vide, mais qui est vide de matière solide, de la nourriture solide, mais qui va être plein de particules de lumière, plein au-delà de particules de lumière, eh bien plein du vide et donc de la vacuité. De la vacuité plein au sens propre, mais vacuité au sens figuré, sens figuratif, qui est l'immersion dans le champ unifié quantique. Par le fait de se réunifier avec soi-même, de se rééquilibrer dans ces 4 dynamiques, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, et qui va nous unir à l'extérieur, intérieur-extérieur étant encore une illusion, on va schématiser comme ça, intérieur-extérieur, mais qui va nous unir au grand tout, et ce qui va devenir véritablement la nourriture, au-delà de nourriture pranique, en passant par nourriture pranique qui est un support, mais qui nous invite à aller vraiment au-delà. Je dis toujours, faut-il manger pour vivre? Faut-il vivre pour manger? Et au-delà de manger,
quelle est la véritable nourriture? Est-ce que nous mangeons pour vivre? Mais parce que nous mangeons, est-ce que nous vivons véritablement? Ou le simple fait de vivre pleinement au présent ne serait-il pas la nourriture? Eh bien, c'est ce que nous apprend la nourriture pranique. Tout simplement, se caler au présent en se réunifiant avec soi-même permet de nous ouvrir au tout et dans cet éternel présent qui est la définition pour Krishnamurti, de l'écrivain Krishnamurti, du paradis. Le paradis est un éternel présent pour Krishnamurti. Eh bien, cela constitue la véritable nourriture avec l'émergence. L'émergence et le rayonnement du cœur, d'où cette perception, immersion de la joie. De la joie et d'un véritable bien-être qui est indescriptible puisque c'est au-delà des mots. Pour une autre conscience, pour une autre liberté, ce qui passe bien sûr par un déconditionnement de tout ce qui nous limitait et à partir et à commencer par la croyance de il faut manger sinon on ne peut pas vivre et sinon on va mourir. L'expérience de la nourriture pranique nous prouve complètement le contraire. Et puis, livre préfacé par le docteur Bodin, docteur Luc Bodin, que je remercie encore une fois infiniment, qui a prêté sa voix indirectement par ces quelques pages d'introduction à ce livre. Le docteur Bodin qui a fait l'expérience le temps d'un déjeuner à Paris en formation professionnelle fin 2014 d'une immersion prana sur 20-25 minutes que je lui ai proposé et à partir de quoi les choses se sont formalisées progressivement dans le fait de rédiger la préface de ce livre. Le docteur Bodin qui a aussi, il raconte ça dans cette préface, qui a eu l'occasion d'accueillir en consultation médicale, quand il pratiquait en tant que médecin, des sœurs, des bonnes sœurs, des sœurs religieuses, et lesquelles lui relatant que la mère supérieure au monastère, au couvent, ne mangeait absolument rien du tout depuis longtemps, et donc décrivait par là un état pranique chez cette chef religieuse. Donc la question, la thématique de la nourriture pranique est quelque chose qui a interpellé le docteur Baudin bien avant qu'on se rencontre en 2014. Et une fois encore, je le remercie pour avoir introduit ce livre. Alors ce livre, il est construit sur trois grandes étapes et qui correspondent au processus de la nourriture pranique avec trois grands chapitres, la préparation, la transition, l'intégration. Pour chaque grande partie, je propose une pratique pour ne pas rester dans, entre guillemets, la théorie ou le narratif. Je propose une pratique, donc une pratique spécifique à la préparation, à la transition pranique, en l'occurrence la clé de sol, dont j'ai fait une vidéo et que je vous propose de découvrir ou de revoir, qui s'appelle La nourriture en conscience 2. Le bonheur, qui doit faire une vingtaine de minutes, avec une démonstration à la clé. Donc je vous invite à revoir ça sur ma playlist YouTube. Il y a aussi une pratique dans la deuxième partie qui est la transition en tant que telle. Transition nourriture pranique. Pratique sur la respiration en conscience à partir du cœur, où il y a eu à ce sujet deux vidéos de réaliser, que je vous invite à revoir, où j'interview Claude Deglon, spécialiste de la respiration conscience-cœur, respiration en conscience du cœur à partir du cœur. Vidéo aussi où j'interview Samuel qui pratique depuis assez longtemps, depuis quelques années, cette respiration en conscience cœur et qui est très au fait de la nourriture pranique puisqu'il est à quelques centimètres de l'état pranique. Il est dans cette optique, dans cette dynamique depuis aussi quelques années. Donc il progresse à son niveau.
Et puis, il y a une dernière pratique en troisième partie qui est l'intégration, pratique que j'ai intitulée Éveiller son sceptre intérieur. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans le livre, qui est une pratique puissante pour dynamiser l'énergie de vie, dynamiser la circulation du prana dans l'organisme et au-delà de l'organisme, se relier, se connecter à un état de conscience élargi pour aller dans une perception plus vaste de l'être multidimensionnel que nous sommes, au-delà de l'identification encore trop fréquente chez certaines personnes, de l'identification au fait de se croire être le corps physique. Or, nous ne sommes pas ce corps physique, nous sommes incarnés dans un corps, mais nous ne sommes pas ce corps. Et donc au-delà des limites physiques et mentales, il y a ce champ de conscience qui est infini, puisque nous sommes une conscience infinie, incarnée dans une enveloppe charnelle finie, et finie et limitée, ben finie parce que limitée dans le temps, et qui, comme chacun le sait, à terme va dépérir, et nous faisant expérimenter, vivre pour certaines personnes. Si vous adhérez à cette idée, vivre en temps voulu une autre enveloppe. Enfin, peu importe, c'est un autre sujet. Chaque chapitre, le livre fait 221 pages. Alors, je n'ai pas fait exprès, 221 pages, 21, comme 21 jours de processus pranique. En tout cas, le livre fait 221 pages. Je me suis attaché à être le plus pragmatique possible, entre guillemets le plus basique possible pour que ce soit accessible au plus grand nombre, donc d'éviter d'être dans quelque chose de trop arrêté, trop figé sur une thématique donnée, par exemple l'aspect religieux. La religion est une chose, la spiritualité en est une autre. On parle fréquemment de l'état pranique comme étant un état relié au divin et associé à Dieu, eh bien pourquoi pas, oui bien sûr, mais ce n'est pas le seul aspect possible, il y a bien d'autres aspects, et qui plus est pour les personnes qui ne sont pas baignées dans la religion ou la spiritualité, eh bien une approche qui se veut pragmatique, tant sur les plans physiques, psychologiques, spirituels, médical, scientifique, alchimique, etc., etc., je crois, était une bonne option pour répondre à un maximum de profils de lecteurs possibles que vous êtes. Alors bien sûr, ce livre intéressera les personnes qui ne l'ont pas encore, et si tant est que vous soyez lecteur, que vous aimiez lire, bien sûr. Ce livre comprend une cinquantaine de références bibliographiques dans tous les domaines que j'ai cités, psychologiques, religieux, spirituels, métaphysiques, scientifiques, quantiques, médicales, alchimiques, de manière à ce que ce soit un livre qui ouvre sur d'autres perspectives possibles, qui ouvre à une conscience plus large et qui, en guise de conclusion, soit justement non pas une conclusion, mais une non-conclusion, c'est-à-dire à un horizon qui s'ouvre davantage plutôt que un horizon de conscience qui se ferme, qui se limite et qui se réduise à cette lecture, qui n'est qu'une lecture après tout. Donc une cinquantaine de références bibliographiques. Par exemple, vous avez du Krishnamurti, vous avez du Luc Bodin, vous avez docteur Deepak Chopra, vous avez docteur Coussens, Gabriel Coussens, vous avez Guy Corneau qui est décédé il n'y a pas longtemps. Vous avez Jacqueline Kellen, vous avez Bhagwan Osho Sri Rajneesh, vous avez le docteur David Servan-Schreiber, etc., etc. Il y a des références sur des sites web, il y a des références d'articles, et puis DVD et CD. J'ai entre autres nommé Lise Bourbeau, qui est la grande québécoise que vous connaissez certainement, et qui parle dans ce livre, que j'ai fait intervenir dans ce livre au travers de son CD numéro 52 sur la connaissance de soi au travers de l'alimentation. Et puis, chaque chapitre est introduit par une citation, là encore pour ouvrir les consciences, pour ouvrir le champ des possibles perspectives à davantage de réflexion et non pas s'arrêter sur un point figé, un point
finale qui dirait que la nourriture pranique, c'est la solution, ou la nourriture pranique, c'est comme ça, ou c'est pas autrement. Bien au contraire, la nourriture pranique, qui est une nourriture au sens large et pas que alimentaire, et qui doit ouvrir, ouvrir, ouvrir. Bien sûr, nourriture pranique au-delà de laquelle, au travers de laquelle, il n'est pas question de se perdre. C'est tout le chemin inverse qui est un chemin d'expérimentation, un chemin de reconnexion avec soi, de rééquilibration avec soi au travers de ces quatre corps, et donc un chemin de meilleure connaissance de soi, de conscience de soi. Au-delà de la nourriture pranique, j'ai voulu que ce soit un livre qui nourrisse sur les plans de la conscience déployée, d'où certaines citations qui sont orientées dans ce sens. Vous avez par exemple Friedrich Nietzsche qui dit: plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. Ce qui renvoie à la notion de la différence, ce qui renvoie à la notion de l'intégration de cette différence dans notre société, ce que veut bien sûr la nourriture pranique. Il n'est pas question de s'isoler dans la forêt ou dans la montagne. Le grand défi de cette société, c'est de l'accueillir, d'y vivre pleinement. Société qui a ses inconvénients comme ses avantages, bien sûr. Il y a Rainclair Lucier, québécoise pranique depuis 15, 18 ou 20 ans, qui a quelque chose comme 75 ans peut-être, que je salue même si on ne s'est jamais rencontré à cette heure-ci, en tout cas pas encore, puisque je vais au Québec cet été. Nous verrons bien, le hasard des rencontres amène bien des surprises, hein, très souvent. En tout cas, Rainclair Lucier qui a dit que la nourriture est notre allié ou notre ennemi, mais toujours notre miroir. C'est très intéressant, bien sûr, ce qui renvoie au fait que dans la nourriture pranique, il n'est pas tellement question de la nourriture. Parce que sinon, ça renvoie à des données diététiques, alimentaires, nutritives, caloriques. Et c'est pas de ça dont il est question, puisqu'il est question davantage de basculer en mode cerveau droit, intuitif, perceptif, conscience, démentalisé, allégé de nos schémas de croyances limitants, et que dans cette optique-là, la grande question qui se pose n'est pas tellement la nourriture en tant que telle, mais la relation que nous avons à la nourriture. Et relation que nous avons à la nourriture dans l'association à ce que nous en faisons. C'est-à-dire, pour être plus explicite peut-être, quelle est la relation que j'ai, consciente ou inconsciente, quand je suis attiré par le sucré, par le salé, par l'acide, par l'amer, par la quantité, par la qualité, par le fait de manger debout, assis, allongé, par le fait de tenir sur, me caler sur les horaires de repas, ou le fait de manger plutôt en dehors des repas, par le fait d'aimer inviter du monde et partager de la nourriture, ou d'être quelqu'un qui est plutôt isolé et qui est plutôt dans une relation sobre ou plantureuse à la nourriture solide, etc., etc. Et cela procède davantage d'une meilleure connaissance et donc conscience de soi, ce qui est la prérogative, ce qui est la condition même de la liberté. De la nourriture pranique à la plénitude du vide pour une autre conscience, pour une autre liberté. Le premier bénéfice, le premier avantage que je nomme quand on me pose la question, qu'on m'a déjà posée en conférence, finalement, qu'est-ce que ça vous a surtout amené, la nourriture pranique? Eh bien, je réponds sans hésiter, la liberté. Bien sûr, la liberté. Liberté de gain de temps, gain d'argent, gain de fatigue, gain de lourdeur, gain de sommeil. Et puis, une autre conscience avec moi-même, avec soi. Bien sûr, plus de souplesse dans le corps, plus de flexibilité, plus de souplesse dans la relation à soi, la relation aux autres, et plus
de déploiement du cœur, ce qui est sans prix. Au passage, pour une toute dernière vidéo que j'ai fait sur la question de est-ce que les stages en nourriture pranique ne devraient-ils pas être gratuits, eh bien, la réponse appartient à chacun. Et au-delà des charges, bien sûr, des charges qui m'incombent et que je dois acquitter, qui fait que les stages ne peuvent pas être gratuits, ni les conférences, et même ce livre, puisque ce livre, ben, j'ai payé un imprimeur pour le réaliser. Mais au-delà de la question du prix, bien sûr, si la nourriture pranique vous interpelle, voire vous attire, pour plus de santé, plus de joie, plus de conscience, plus de liberté, plus de rayonnement dans votre vie, tout simplement, eh bien, l'argent intervient forcément à un moment donné, parce que la santé a toujours un coût, mais n'a pas de prix. À bon entendeur, salut, puisque le prix, vous le mettez en termes d'argent peut-être, mais vous le mettez aussi en termes d'investissement, temps, énergie et investissement dans ce en quoi vous croyez, et qui va être support, autant de support pour votre propre progression. Voilà, je pourrais aussi citer Krishnamurti qui dit « L'ignorant n'est pas celui qui manque d'érudition, mais celui qui ne se connaît pas lui-même. » C'est exactement ce dont nous venons de parler. Voilà pour le livre. Ce livre, il est aussi illustré de plusieurs photos. Là, vous avez une photo d'un moine, page 134, d'un moine dans un monastère du Bhoutan, puisque j'étais au Bhoutan en juillet 2013. J'y ai fait un périple de 21 jours, une fois encore 21 jours. Il y aura prochainement une vidéo sur la question du pourquoi 21 jours. Il y a beaucoup de choses à dire. On m'a déjà posé cette question, pourquoi 21 jours en stage pranique. Et pourquoi être allé au Bhoutan? Tout simplement parce que le Bhoutan est le pays du bonheur, et donc j'ai été très interpellé par cette contrée himalayenne de quelques centaines de milliers d'habitants, puisqu'ils ne sont même pas à 1 million d'habitants, je crois qu'ils sont à 850 000, ils sont à peine à 900 000 habitants sur un territoire grand comme la Suisse, et pays qui se démarque à bien des égards du reste du monde, puisqu'en 1974 est né, sur volonté du père du roi actuel, les Wangchuk, est né le bonheur national brut, qui en a fait un pays authentiquement différent du reste des autres pays, qui se démarque par bien des égards. Nous en reparlerons peut-être lors d'une prochaine vidéo, selon mon inspiration. Voilà, donc je suis allé étudier d'un peu plus près la question du bonheur national brut. Et au passage, c'est vrai que, en termes de nourriture conscience, j'ai envie de vous offrir cette petite nourriture que m'a offert deux proviseurs de lycée à 300 km de distance au Bhoutan, que j'interrogeais sur la question du bonheur et de leur demander qu'est-ce que pour eux, question que je vous renvoie à vous-même si vous le souhaitez, qu'est-ce que pour eux le bonheur? Eh bien, tous les deux m'ont répondu la même réponse à 300 km de distance dans la montagne. J'étais très, très étonné, très surpris. Ils m'ont répondu, le bonheur serait pour moi se satisfaire de ce que j'ai et de ce que je suis. C'est une affirmation qui est lourde de sens, puisque se satisfaire de ce que j'ai, bien sûr, si j'ai pas plus d'argent que ça pour acquérir, acheter, consommer, je suis forcément limité, et c'est mieux de s'en satisfaire plutôt que d'être frustré, voire d'en souffrir, bien sûr, dans la limite du possible, dans la mesure du raisonnable. Par contre, se satisfaire de ce que je suis, ça implique, à mon sens, j'aurais aimé avoir votre réflexion à ce niveau-là, n'hésitez pas à me faire un commentaire sur YouTube et partager cette réflexion ou d'autres au sein de cette vidéo, sur le contenu de cette vidéo, mais se satisfaire de ce que
Je suis, c'est tout simplement m'accepter tel que je suis, et pour s'accepter, eh bien, s'aimer. On ne peut pas s'aimer si on ne s'accepte pas. La nourriture pranique, c'est aussi l'aventure, au travers de la connaissance, la conscience de soi, de l'acceptation de soi et donc de l'amour de soi. C'est lourd de sens, lourd de signification, et donc cela invite, vous en voyez déjà les prémices, cela invite, chemin en nourriture conscience, en nourriture pranique, de se rencontrer, de s'accepter et de s'aimer en tout cas, de s'aimer peut-être un peu mieux, un peu plus que nous nous aimions jusque-là. J'aime à dire que la nourriture pranique, le prana, n'est que de l'amour. N'est que de l'amour. L'univers est fondamentalement aimant et bienveillant à notre égard, et ce qui fait la différence dans le fait que nous soyons heureux, un peu, beaucoup ou pas du tout dans notre vie, eh bien c'est surtout nous et nous-mêmes, et non pas la vie, l'univers, la société, le gouvernement, les politiques. Bien des personnes disent ben, c'est l'autre, c'est la faute à l'autre, c'est comme ça et c'est pas autrement, on ne peut pas changer, on ne peut rien y faire. De toute manière, quel poids j'ai moi tout seul dans la vie? Eh bien, ce à quoi cela renvoie à Sri Shrimnoy, par exemple, Sri Shrimnoy et bien d'autres, Gandhi, qui ont dit « si tu veux changer le monde, eh bien, commence par te changer toi-même ». Se changer soi-même, ce n'est pas changer pour être en vue d'être quelqu'un d'autre, c'est plutôt évoluer sur la base du apprendre, comprendre, évoluer, s'accepter, s'aimer et se réaliser. C'est aussi ce que revendique ce livre que je vous propose, si vous le souhaitez, que vous trouverez avec le CD, que vous trouverez dans trois lieux de vente essentiels, Amazon, le site Amazon, le site Price Minister, bien des gens ne connaissent pas, Price P-R-I-C-E Minister, M-I-N-I-S-T-E-R.com, priceminister.com, ou sur mon site www.pranainspire.com, et que je vends directement ou par le biais de ces deux sites, Amazon et Price Minister. Et puis j'ai réalisé l'été suivant, donc en été 2016, ce CD audio qui s'intitule Méditation pranique, qui est un CD audio MP3. Alors, je précise tout de suite, une personne sur 5 me téléphone, me contacte après avoir acheté ce CD, que le CD est vide, qu'il n'y a rien dedans. En fait, non. Je ne vends pas un CD qui est vide. Ce CD, il est complètement rempli. Il y a même 1h50 de pratique. Ce n'est que de la pratique, il n'y a aucune théorie, aucune explication. L'explication, les explications, c'est le livre. La théorie, le narratif, l'anecdotique, c'est le livre, bien sûr. Mais c'est un CD MP3 qui se lit sur un lecteur MP3. Donc, surtout iPod, surtout ordinateur récent, il n'y a pas de problème, ça le lit très bien. Méditation pranique, pourquoi est-ce que j'ai fait ce CD? Parce que le livre, ce n'est qu'un livre, malgré qu'il y ait trois pratiques, mais sur ces trois pratiques, il n'y a pas de musique, il n'y a pas ma voix, chose qu'il y a sur le CD. C'est bien ma voix, il y a un fond musical qui accompagne cette voix. Sur fond de relaxation, je propose 8 pratiques, une pratique par chakra, et une 8e pratique pour dynamiser, unifier, relier ces 7 chakras, et donc nous relier à la conscience de notre être global, multidimensionnel, au travers de ces 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. J'utilise le matériau, le support énergétique, donc prana, pour diffuser, inviter à diffuser dans tous les étages du corps, à partir de chaque chakra, et puis d'ouvrir la conscience, le champ de la conscience. Quand on me demande
Est-ce que le CD c'est mieux que le livre? Est-ce qu'il vaut mieux acheter le livre d'abord? Eh bien, vous faites comme vous voulez, selon que vous êtes lecteur, que vous aimez lire. Vraiment, le livre est très intéressant, bien sûr, il est très utile, il est très nourrissant. Et le CD, c'est véritablement la pratique. Bien sûr, le CD ne doit pas être écouté en voiture quand vous conduisez, ni si vous utilisez une machine dangereuse qui coupe, etc., etc., ni vous, si vous êtes sur une échelle, enfin, je ne sais pas, à écouter tranquillement, assis ou allongé, en ne faisant que ça, ce qui limite au maximum les risques d'accident, parce que bien sûr, vous êtes un peu en état de relaxation et vous allez baisser la vigilance, vous pouvez aussi vous exposer si vous faites ça en voiture. Donc ce n'est absolument pas conseillé. Particularité de ce CD, méditation, pourquoi? Tout simplement pour activer la part du cerveau droit, la part imaginaire créative, est basée sur ce que j'appelle moi les 3 I spécifiques au cerveau droit, l'inspiration, l'imagination, l'intuition, de manière à être davantage dans une nourriture conscience plutôt que une pseudo-nourriture mentale uniquement, puisque le propre du mental étant la nourriture solide, eh bien, manger moins, manger mieux, et peut-être à terme, par voie de conséquence, plus que par volonté unique, se nourrir pleinement en conscience, pleinement du prana, va passer par le fait de reculer les limites du corps mental et donc d'ouvrir davantage la conscience. Donc, particularité de ce CD, les 8 plages de ces 8 pratiques sont intitulées, avec un imaginaire en tout cas qui est le mien, et qui est volontairement placé comme tel pour favoriser votre imaginaire. Par exemple, au cœur de l'univers conscient. Voilà, au cœur de l'univers conscient. Ajna, l'accès à la supraconscience. Ajna étant le chakra du troisième œil. Fixité ondulatoire du macrocosme. Alors pourquoi macrocosme? Eh bien parce que nous avons facilité à comparer ou à relier l'infiniment petit microcosme avec l'infiniment grand macrocosme. Et puis, utilisation possible de ce CD, et bien que vous souhaitiez vous nourrir en abondance de la nourriture pranique, ou pas du tout, simplement vous faire du bien, simplement vous faire du bien. Simplement reculer les limites du mental, démentaliser un petit peu plus le cerveau gauche, équilibrer un petit peu plus le cerveau droit, en reliant cerveau gauche, cerveau droit, et donc en développant des états alpha, ce qui est le propre du bien-être, puisque à ce moment-là, le cerveau produit de la morphine cérébrale, donc des hormones de plaisir, comme vous le savez, eh bien, vous pouvez aussi utiliser ce CD uniquement au regard des rares études médicales qui ont eu lieu à cette heure-ci. Et par exemple, je pense surtout à l'étude médicale de 2012 à l'université de Brasília au Brésil. Cette étude qui dit que 20 minutes de méditation pranique par jour fait beaucoup de bien à la santé, en particulier aux globules blancs, quant à renforcer les défenses immunitaires et à lutter plus efficacement contre les agressions infectieuses. Donc, quand on dit manger moins, manger mieux, et au minimum 24 heures par semaine de pause alimentaire, eh bien vous pouvez en profiter pour, pendant cette pause alimentaire d'une journée ou ne serait-ce que d'un repas par jour, ne serait-ce que de sauter un repas par jour, parce qu'une fois encore, je l'ai déjà dit, nous mangeons trop, trop mal, trop souvent. Et donc, 3 repas par jour, c'est beaucoup trop. Il est tout à fait possible de vivre en abondance au quotidien avec un repas par jour, essentiellement de fruits et légumes, un repas par jour, véritablement. Nous ne sommes plus travailleurs au champ, à la mine ou dans la forêt. Et donc, vous mangez 1 à 2 fois par jour. Le troisième repas, vous pouvez vous offrir un délicieux repas de méditation pranique à la place. Et qui plus est, si vous faites une journée par semaine minimum, eh bien, vous pouvez avoir ce support comme repas auditif.
je présenterai bientôt une vidéo sur nourriture pranique et médecine, simplement pour vous apporter aussi ce repère qui a été validé scientifiquement, que les visualisations, le propre de l'imaginaire, les visualisations créatrices créent un champ électromagnétique, c'est la physique quantique qui le dit maintenant. Les visualisations créent un champ électromagnétique et ce champ électromagnétique, qu'on peut appeler aussi champ torique, va se déplacer et agir à distance, par exemple sur un organe. Sur un organe malade, vous avez par exemple un genou qui est abîmé, vous avez une cheville, une épaule qui ne va pas bien, et bien vous pouvez utiliser le support de la visualisation pour vous faire du bien à cet endroit-là aussi. Ça répond complètement aux travaux du docteur Carl Simonton, qui est grand précurseur des visualisations thérapeutiques dans les années 80, cancérologue américain, a développé et en particulier a introduit en Europe et en France à partir de là. Encore aujourd'hui, au CHU, le centre hospitalier universitaire de Nancy, à Vendeuvre, à côté, vous avez le centre Alexis Vautrin, qui est un centre de cancérologie, où se pratiquent, une fois par semaine, les visualisations thérapeutiques grâce à un relaxologue qui vient spécialement pour ça et qui amène ce soutien aux patients cancéreux et qui bénéficie alors du soutien et de ce petit plus en renforcement du traitement médical auprès de ces patients et qui vraiment fait du bien. En termes de pratique, ce support CD, il est très utile en amont d'une transition pranique, donc d'un stage ou d'un accompagnement à distance via Skype que je propose ou par téléphone. Donc il est très pratique pour accompagner la phase du manger moins, manger mieux, être en descente alimentaire et commencer de se nourrir de cette nourriture pranique que je propose par le biais de ce support. Pour amener quelque chose de spécifique au niveau mental, émotionnel et conscience, il est utile aussi à utiliser pendant le stage. Et bien sûr, après stage, surtout si vous faites 14 jours, une transition pranique se fait sur un profil de 21 jours. Et en ne faisant que 14 jours, ce qui est fait volontairement de ma part, pour que vous intégriez vous-même la fin du processus tout en travaillant l'intégration. L'intégration parmi les mangeurs, le retour à la société des mangeurs. Puisque je dis toujours, c'est facile de s'isoler du monde, de se couper du monde en 21 jours dans un chalet, dans une maison, dans un gîte, à la campagne, à la montagne, loin des siens, loin de la société. Par contre, ça ne prépare pas forcément au retour parmi les mangeurs et on voit bien que dans l'immense majorité des cas, quand bien même vous basculez pranique, eh bien vous remangez parce que l'intégration parmi les mangeurs n'a pas été faite. Cette intégration qui repose sur l'affirmation, sur le respect des différences, sur le fait de rassurer l'entourage parce qu'il ne vous voit plus manger, que vous allez bien. Donc il y a vraiment lieu à le rassurer, d'une part, à ne pas vouloir les changer, d'autre part. Et surtout, dans cette intégration, troisième semaine, après 2 semaines de stage pranique avec moi, eh bien de continuer les pratiques. La pratique, ça peut être ce support CD aussi, bien sûr. Par contre, important à préciser, le CD seul ne permet pas de basculer pranique en tant que tel, parce que tout ne peut pas être dit, expliqué et pratiqué en 8 pratiques dans la dynamique de la nourriture pranique. Il y a bien des subtilités, bien des choses qu'il faut voir aussi par ailleurs, et surtout, c'est un CD général. C'est un CD général que beaucoup de gens peuvent utiliser, mais chaque personne est différente et ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Et quand bien même les 8 pratiques peuvent vous nourrir et vous convenir, elles ne vont pas forcément répondre à des freins, des obstacles, des baisses d'énergie, des rappels de mémoire qui peuvent émerger à la conscience et qui sont spécifiques d'un accompagnement tout autant spécifique. Chose que le CD ne peut pas apporter en tant que tel. Donc le CD n'est qu'un support pratico-pratique, bien sûr, qui peut servir complètement
dans tout le long de l'aventure de la nourriture en conscience, préparation, transition, intégration, qui sert à consolider la fin de la transition pranique dans la troisième semaine, de J14 à J21, bien sûr, pour un maintien de pratique. En sachant que vous pouvez aussi me solliciter pour une fin d'accompagnement après une fin de stage en 14 jours avec un relais Skype ou téléphone, ce qui est le cas en ce moment pour Marie, pour Catherine et pour, je vais citer son nom, pour Magie. En tout cas, le livre et le CD sont là pour vous apporter quelque chose de l'ordre de la conscience, de l'ordre du bien-être, bien sûr. En n'oubliant pas que le but n'est absolument pas l'arrêt de la nourriture solide, mais plutôt une évolution de la nourriture solide possible vers, possible mais pas obligatoire, et surtout pas pour tout le monde, possible vers une nourriture conscience, une nourriture liberté, conscience, joie, déploiement, rayonnement, au quotidien, au présent. Par réunification, rééquilibration des quatre corps. Et quand bien même unification, équilibration des quatre corps, vous mangez, ce n'est absolument pas un souci. De toute manière, la conscience est là pour permettre de prendre conscience, justement, de réaliser que le support nourriture solide n'est pas tant nourrissant que ça, et que s'il est nourrissant, ce n'est pas forcément nutritif, calorique, protéinique, vitaminique, mais plutôt relation, convivialité, partage. Et ce à quoi je vous invite encore à une dernière réflexion possible, c'est quand vous mangez, quand vous partagez un repas, est-ce que vous partagez véritablement au-delà du repas, du seul repas? Est-ce que vous rencontrez véritablement la personne qui vous accompagne lors d'un repas? La nourriture la plus importante pour moi, c'est surtout celle-ci, de la rencontre des êtres entre eux, avec une fois encore un support. Il y a le support nourriture pranique, il y a le support nourriture solide. Cette nourriture solide, si tant est qu'elle soit là, enfin, quand bien même elle est là, peu importe, mais qu'elle ne prive pas, qu'elle n'empêche pas la rencontre avec l'autre, et dans les deux sens bien sûr. Merci de m'avoir écouté, belle journée à vous, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, là aussi c'est accueillir l'instant présent, au-delà de ce que les cinq sens perçoivent, et donc du froid ou du chaud, du soleil ou de la pluie. L'essentiel est ailleurs, puisque l'essence est au ciel. Alors, plein de bonnes choses pour vous, nourriture, pleine nourriture en conscience et en abondance, à chaque instant. À bientôt.